Monastère d'Europe, les témoins de l'invisible. C'est un livre d'aventures et de témoignages. Nous avons voulu dresser la carte spirituelle de l'Europe, parce qu'il y a l'Union européenne qui est un organisme politique, mais il y a l'Europe qui est un continent spirituel qui va de l'Irlande à la Russie, de la Grèce à la Pologne, en filmant et photographiant les deux traditions monastiques européennes, chrétienne, c'est-à-dire la tradition catholique dans toute sa diversité et la tradition orthodoxe. Et on s'est posé la question, qui au XXIe siècle, qui sont ces gens au XXIe siècle qui se font moines ou sœurs? Et on s'est dit, on veut les rencontrer. C'est pour montrer aux jeunes qu'ils sont les héritiers d'une tradition qui est vivante, ce n'est pas quelque chose qui est mort. Et contrairement à ce qu'on croit, l'Occident, les monastères en Occident sont pleins, déjà il y a beaucoup de moines et de moniales et il y a beaucoup beaucoup de pèlerins et de retraitants. Ce qui nous a marqué, c'est que ce sont des gens qui sont très modernes, qui se posent les vraies questions. On a eu des réponses très vraies. C'est une recherche intense de soi-même face à l'invisible. Ce sont des choix qui leur apporte énormément de bonheur, c'est ce que nous avons essayé de comprendre. Parce que la vie monastique est beaucoup plus intense, c'est un choix radical, c'est un choix de folie, parce qu'on peut dire que la croix est une folie également. On a pu rentrer là où personne ne rentre. La cellule, pour nous, c'est une cellule, comme une cellule du corps humain, comme une cellule vivante. C'est là où on est le plus vivant. Des gens qui sont intensément engagés. Donc voilà, ça c'est notre invisible aussi, ils nous ont fait toucher leur invisible à eux. On a une reliure très particulière qui s'appelle la reliure suisse. On a voulu raconter quelque chose de contemporain, de vivant. Nous avons décidé de faire 5 films qui vont être diffusés sur Arte. Un message très important à tous les lecteurs, c'est le plus beau cadeau de Noël. Que vous allez faire ?